Coconut CF1, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait toujours rigoler à chaque fois que je vois l'introduction. Salut à tous, et donc aujourd'hui nous allons jouer à F1 Grand Prix 1996. Un jeu, on va dire, comment dire, pas du tout connu logiquement, puisque c'est un jeu japonais, sorti sur Saturn et sur PlayStation. Ici vous allez voir la version PlayStation, même si j'aurais préféré vous faire la version Saturn, mais... Elle est très bien la version PlayStation, comme d'habitude. Donc, on va jouer avec la version PlayStation. Donc, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu de management d'écurie de Formule 1. Il n'y en avait pas beaucoup hein, sur console à l'époque. J'ai rien qu'il n'y en avait aucun, puisque toutes les simulations se passaient sur, sur PC. Donc, on avait droit à une simulation comme. Qu'est-ce qu'on avait comme simulation à l'époque? Il y avait Grand Prix Simulation 2, je crois, ou 1. Enfin, il devait y en avoir 2-3 qui se battaient en duel. Il faut attendre dans les années 2000 aussi pour que EA s'intéresse à FR Manager. Donc c'est parti, on va commencer une nouvelle partie parce que ça va être assez long. Donc l'intro, vous l'avez vu, je vais la passer. Voilà, je fais un petit peu lentement. Désolé d'avance si vous entendez m'entendez tousser, hein, je suis un poco malade. Je me retiens de pas tousser. Alors, bienvenue, donc là, on va commencer par mettre notre nom de manager. Donc là, il va m'expliquer, je lui dis non, j'ai pas envie. Et ce qui fait que, pourquoi j'ai dit non? Je suis bête ou quoi? Je suis absolument débile. On recommence. Mais non. Mais non, faut dire oui, bah oui, je veux commencer l'aventure, attends, c'est normal. Donc, hi. On est parti, donc on va choisir le nom de notre pilote. Enfin, c'est pas le nom de pilote, c'est le nom d'écurie en fait, mais bon. Donc l'écurie, donc on a le choix, on peut choisir donc les hiragana, les katakana ou l'écriture normale à la française. Bon, honnêtement, j'ai aucune idée comment je vais l'écrire. Bon, on va l'écrire comme ça, K. J'en sais rien en fait moi. Allez, on va l'appeler non, ça c'est Kako, on fiche, on va l'appeler Kako. Hein, pour tous ceux qui savent parler japonais, non. En arrière. Ouais, le problème c'est que c'est des. Bon, on va faire un mélange, hein, c'est pas grave. Donc, Kami. Shito. Voilà. Bon, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, on va valider ça. Donc c'est parti. Donc voilà, on nous explique blablabla, on s'en fiche. Non, on va choisir notre nationalité, donc on va mettre... mais qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis? Quelle nationalité suis-je? Ouais, je sens que brésilien, c'est tout à fait moi. Monaco. C'est Monaco. Ou Pologne. Bon, tant pis. On va mettre nationalité. Je vais mettre 3 ans sur une nationalité, c'est pas possible. Bon, on peut mettre Nederland, on s'en fiche. Ya. Pardon d'avance. Donc, on a une nationalité. Maintenant, on va passer à la phase la plus intéressante, c'est-à-dire qu'on va commencer à récupérer les sponsors pour notre écurie. Alors, au début, on a que 1000, on a 1000 dessous, mais les sponsors vont permettre d'augmenter notre pécule. En sachant qu'on peut voir, voilà, ça nous rapporte 300 et je crois que c'est 20 par course ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, j'ai les sponsors, il y a rien. Les sponsors inconnus. par exemple, si je mets lui, est-ce que je peux le prendre? Non, on peut pas. Pas prendre ce sponsor. Alors, vous aurez reconnu certains sponsors, hein, par exemple, Gyocir Tokini. Bon, tout le monde sait que c'est Total. Non, c'est Sergio Tacchini. On a Ursus. Pour ceux qui ont connu les Pacifiques de 94 et de 95 avec le sponsor Ursus, que l'on ne peut pas prendre tout de suite. On a Pizza Hunt, évidemment, Pizza Hunt. Et Kalba, c'est Kalbi. Donc évidemment, c'est pas mal de sponsors japonais. On va prendre Kalbi dès le début. Voilà. Comme ça, il va nous donner 120 pour débuter la saison. Donc ça, c'est cool. On va sélectionner un autre coréanaire.
Footworker, alors Aerospace Hero, je sais plus ce que c'est. Honnêtement, il y en a, je sais pas tout. Sobo, on dit Sodebo, mais bon, ça va pas être ça. Je vais prendre Rufus, s'il veut bien. Ah, il me dit qu'il a pas envie. Bon, c'est pas grave. Il a pas envie de venir avec moi. Hi! Non! Voilà. On va prendre Sajo Takini. Est-ce qu'il va vouloir Sajo Takini? C'est bon. Et maintenant, il me faut un troisième sponsor. On va mettre bah, Korean Air. Allez, c'est parti. Ah, quoi que non. Non, non, non. On va prendre. Ah non, monsieur, c'est bon. Korean Air. Donc voilà, on a choisi nos sponsors, on est content et on va pouvoir donc passer à la suite. Donc comme dans toute équipe, après avoir choisi les sponsors, on peut choisir maintenant bah, les parties pour la voiture, pour le moteur, pour l'essence, donc le fournisseur, et les pilotes. Alors, vous allez voir la pilote, la partie pilote assez intéressante. Alors on va commencer par. Alors je crois que j'ai monté un peu le son du jeu. Voilà. Donc, salut, salut monsieur l'ingénieur. Alors, on va donc choisir pour commencer. Donc ça c'est les ailerons, donc on va prendre l'aileron au niveau 2. Je vais prendre au maximum en fait les meilleures améliorations. Coucou non, je crois que c'est juste le skill en fait. J'ai l'impression que ça coûte beaucoup plus cher. On va prendre voilà, ça je trouve ça beaucoup plus joli. On va prendre celle-ci. On voit que la voiture se change au fur et à mesure. Les suspensions, on va prendre des meilleures suspensions. Voilà. On va prendre le volant. Ouais, plutôt la boîte. Alors, je crois que c'est la boîte automatique ou boîte automatique. Bon, on va prendre ça. C'est parti. Et enfin, pour la couleur. Alors, les couleurs, on a choix, on a que ça. On a que ça en choix. Donc on va prendre bah ça fait penser à une Ferrari, ça fait penser à rien du tout, ça aussi par contre ça fait penser à la Simtek, donc je vais prendre le choix 6 effectivement. Et donc on est donc voilà on valide et on va passer donc à la suite. Alors il y a les sponsors non officiels et les sponsors officiels. Vous allez voir, vous l'avez vu je pense peut-être dans l'intro. Il y a quelques trucs officieux, officiels. Officiels. On va passer au moteur. Donc on a 1340. Alors maintenant c'est parti, on va choisir notre motoriste et là ça va être très compliqué parce que certains motoristes on ne pourra pas les payer tout simplement. Donc c'est un choix à faire dès le début qui va être critique pour toute la saison. C'est-à-dire que par exemple si on privilégie le moteur plutôt que les pilotes, bon ben on va avoir une bonne voiture mais les pilotes qui vont faire pas mal d'erreurs ou autre. Et si et inversement, si on prend des bons pilotes et une voiture pourrie, bah ils auront beau être bons, la voiture sera une voiture pourrie. Alors vous avez vu qu'un moteur Ferrari ça coûte 1000, donc pour le moment on va pas abuser. On peut voir les caractéristiques, donc la fiabilité, la puissance, l'accélération, etc. Donc c'est matérialisé par les lettres CCBD. Là on a BC, BE1. On a le moteur Yamaha, alors le Yamaha moi il m'intéresse pas mal. Mais par contre il est en DECA. Si on prend les Ford évidemment ça c'est le plus pourri. Voilà, ECB, ECA et le ZTEC normalement il est un peu mieux. Voilà. Le moteur Hart, il est pourri. Le moteur Renault, c'est le meilleur, logiquement. Et le moteur Mercedes-Benz, bah, il est bien, mais il coûte cher. Donc, je prendrais bien le Mugen Honda quand même. C'est juste mal au cul, 700. Mais bon. Soit celui-là, soit celui-là. B, B ou C. Il est meilleur, lui. Ah, mais il vaut 800. On va tenter de prendre le Mugen Honda. Il a pas envie. Bon, mais on a le pas. Donc on va peut-être pas avoir le choix entre le Hart et le Yamaha. Donc on va prendre le Yamaha. Ouais, Yamaha a voulu. Allez, ça c'est bon. Donc maintenant on va passer à l'essence. Donc c'est parti. Ouais, c'est gentil. On va prendre Shell Mobil, Mobilien, Total, Petronas. Alors on peut voir la qualité de l'essence. Ça coûte 200. J'ai presque envie de faire le. Ah, ils valent tous 200, donc au final c'est juste un choix. Donc je vais prendre un choix assez modéré, moyen, moyen. Donc on va prendre mobile. Voilà, qui est moyen des deux côtés.
Je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les deux caractéristiques, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Par contre, voilà. Je veux bien que ce soit japonais, mais quand même. Il y a un minimum, quoi. Les kanji, c'est un peu plus chaud. Alors. Donc maintenant, nous allons passer à une partie super bien. Nous allons sélectionner les pilotes. Donc, on a 460 pour choisir les pilotes, ce qui est assez mauvais. Donc, on voit qu'on a les pilotes de la saison 96. Ah non, lui c'est pas 96 lui. On a Schumacher. On a Harvard, donc on voit sa valeur et tout. Évidemment, Schumacher S, super quoi. A et tout, il vaut 700. Harvard, on a BBCC, il vaut 300. En sachant que je vais devoir acheter deux pilotes. Donc si j'en prends un 300, je pourrais mettre que 160 dans un autre pilote. Je vais juste regarder un truc. Et que si je mets l'argent dans les pilotes, je ne pourrais pas le mettre ensuite après pour l'amélioration de la voiture. Mais j'ai quand même envie de prendre un bon pilote de tête pour gagner plein de sous. 300. Je pense que l'idée c'est de mettre au moins 200 dans un pilote. Ouais, 180. BBACF. 300 c'est trop cher. Bundle il est moyen. Ah, Herbart c'est déjà un peu mieux. Évidemment, Frenzen. Il est à 110, non ça c'est Verstappen, il est à 110. BBDE? Eh, c'est pas mal BBDE, ça coûte pas cher. Ouais, Rosset. Bon, on va prendre Verstappen. Eh, je me suis gouré, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Évidemment, ce qui est assez troublant au tout début, dans les touches japonais évidemment, c'est que le rond correspond à valider en japonais. Et pas à la croix. Comme dans les pays européens. Donc souvent on se fait avoir. Et du coup je vais devoir aller en chercher mon Verstappen. Allez, 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 j'étais presque là. C'est qu'on peut aller très vite pour choisir, c'est dommage. Alors, Verstappen à 110. Voilà. Donc maintenant il faut trouver un deuxième pilote qui soit au moins au même niveau. Ah salaud. BADD. Ah, il est pas mal, Mika Salo, quand même. Hein. Alors voilà, donc ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a d'autres pilotes qui ne sont pas dans la saison 96. Par exemple, Gigi Leto. Mais on peut quand même les prendre. On peut prendre par exemple lui, je sais plus qui c'est. Par contre, je crois que c'est Marco. Ah, c'est Mario Andretti. Marco Andretti, enfin le fils de Mario Andretti, donc ça va être Marco. Comment il s'appelait Marco Andretti? Bon, je m'en souviens plus. Donc ensuite, on a. Alors, déjà 13 minutes. On a Alboreto. On a Kurt Wendlinger, CCDD il vaut 60. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils valent pas cher. Par exemple, lui, il vaut 10. Par contre, lui, je sais plus qui c'est. Hein. Christophe Bouillon, peut-être? Ah, c'est Jean-Christophe Bouillon. Ensuite, Thierry Boutsen. On sait pas d'où il vient, mais bon, il est là. DBBE, donc c'est pas mal. On a. Je crois que c'est Martini. Pierluigi. Non, non, je sais pas qui c'est. Lui, je sais pas qui c'est. On a Fittipaldi, on a. Comment il s'appelle lui? Ah, c'est pas Franck Lagorce lui? Non, pourtant, gars. Si, Lagorce, c'est ça. Non, c'est Bertrand Gachot. Et oui, pardon, on a marqué Bertrand. Et oui, tout à fait. Voilà, Bertrand Gachot. Non, j'ai reconnu le gars, donc c'est Gachot. C'est qui lui? C'est qui lui? André. Bon, je sais pas qui c'est lui. On a le meilleur pilote du monde, évidemment, Takinoué. Kilo 30 quand même, je sais pas par quel miracle, mais bon. Lui, je sais plus qui c'est. On a Yann Magnussen. On a, je sais plus qui c'est non plus. J'ai plus tous les pilotes, quoi. Mohamed Oda, on a Mansell. Alors Mansell, je le prendrais bien, mais il vaut 650. CBBD. Ouais. Moreno, je crois que c'est Naoki Hattori lui, il me semble, je sais plus. Alain Prost, on peut carrément prendre Alain Prost quoi. SSSA, mais il faut vachement de pognon. On a pas 13. On a Gurry Suzuki. Et on revient en arrière. Bon allez, on va se dépêcher, je suis désolé, je fais déjà 15 minutes que je parle, on est même pas dans le troisième menu. C'est incroyable. Donc on va prendre qui? Il me reste 350, j'aurais presque pu prendre Jacques Villeneuve quoi.
Allez, on prend Coulthard. Bah, faut quand même que je puisse vous montrer ce qu'on peut améliorer. Donc, on va prendre Panis. Et je me suis gouré. Encore une fois. Bravo. Je suis désolé, on perd du temps. Bon, je pense que j'annonce tout de suite, la vidéo va durer plus d'une demi-heure. Il y a de grandes chances. Parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, on recommence. Donc, on a dit, comprenez. Comment qu'il s'appelle? On prend. Panis. Voilà, BBAC, BABC, et on va prendre un autre bon pilote. Ma bagueau, il coûte trop cher. On va prendre. BBAC. Il n'y a pas moyen d'avoir meilleur quand même que Verstappen. Ouais, comme par hasard, Katayama, il a CCC. Ça vaut trop cher. Et si on faisait confiance à Fisichella? Non, bah ouais, on va oublier. Bon, on va prendre la même paire que j'ai dit tout à l'heure, si on en a pour 15 jours. Donc, Verstappen. Allô? Voilà, Verstappen, c'est bon. Enfin, on est parti. Wouhou! Je suis désolé, hein, on a mis au moins une bonne, bon 7-8 minutes à choisir un pilote. Donc voilà, le récapitulatif de notre voiture. On sera sponsorisé par Yamaha avec Mobile 1, l'équipe Cockpit Caminhonete, enfin, je sais plus ce que j'ai mis comme mon équipe. Et donc on est parti. Donc ça c'est le nom de. J'avoue que je sais plus. C'est mon nom de l'ingénieur, je crois. Bon. Allez, on va l'écrire comme ça. K. Qui a c'est parti. Heureusement que mon pendant que je suis 6 caractères, ça passe. Donc c'est parti. Notre centre de recherche et de enfin notre QG en fait d'écurie. Il nous reste 70 villes. Donc vous allez voir à quoi ça va nous servir. Donc on peut directement commencer le Grand Prix. On peut aller dans la partie développement. On peut faire des tests. On peut aller au stand pour améliorer la capacité des gens au stand. Et ouais, on peut faire ça. Parce que vous allez voir que les arrêts au stand sont hyper longs au début. Alors par contre, on va essayer d'améliorer un petit peu la vitesse. Donc vous allez voir la première partie en 3D du jeu. Ah, les graphismes magnifiques. Ah, par contre, je trouve qu'ils ont complètement gâché tout parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de parties graphiques dans le jeu. Et les seules parties graphiques sont assez immondes. Enfin, sont assez cubiques. Bon, le jeu est vieux aussi, hein, mais bon. Donc là, on part, on a fait 14 secondes 14. Ce qui est vraiment nul, hein, parce que même à l'époque, en 96, bon, comment dire, il n'y avait pas trop de. On avait 14 secondes, même s'il y avait de l'essence, on s'arrêtait maximum 10, bon, vraiment maxi 11 secondes. On va dans la partie développement, je vais vous montrer ce qu'on peut donc faire progresser. Alors je suis au niveau du moteur, voilà mes stats en fait. Donc moteur, l'engine, aérodynamique, suspension, transmission et électronique. J'ai rien en électronique. Donc on va essayer d'améliorer quelques trucs. On va améliorer l'aéro. Et on va mettre 20 dans l'aéro. Donc on va faire une grosse amélioration, donc on passe dans la soufflerie. Voilà. Donc l'aéro a dû être amélioré un tout petit peu. Mais c'est vraiment léger. Ensuite, on va passer dans les suspensions. Quoique non, j'en préfère plutôt là. On va mettre un tout petit peu dans la suspension. Donc là, on est en train d'améliorer la suspension. Voilà, on voit que la partie rouge a augmenté. Je n'ai rien mis dans l'électronique, alors j'aurais pu, mais bon, l'électronique, ça coûte super cher. La transmission, on va l'améliorer comme il faut. Pas qu'il y ait trop de points faibles. On va mettre 20. Cache dans. Ah, petite animation sympa. Hop, la suspension, donc, la transmission est passée au niveau de la suspension. Et il me reste 10 pour améliorer un dernier truc. Je propose d'améliorer à nouveau la suspension. On va mettre que 10. Ah, c'est déjà fait, je peux plus. Bon, bah, il ne reste plus qu'à faire l'électronique alors. Ou l'engine, dans le mot. Non, dans le moteur, on va faire le moteur. Ah! Je suis gouré. Je suis gouré. Ah,
On va mettre bah, 10, hein, parce que je suis à 19, malheureusement, le fait d'avoir amélioré mes constantes. Voilà, j'ai un peu amélioré mon moteur. Non, j'ai encore appuyé, il fallait pas. Voilà, j'aurais pas dû. Donc là, on va quitter. Donc il nous reste 9, 9 millions de... Enfin, 9 000... Ouais, enfin, je sais pas si c'est des millions, des milliards, j'en sais rien. Milliards, je pense pas. Donc on a le développement, c'est bon. On a les infos, on passera plus tard sur les infos. On va commencer directement la première course. Parce que bah, ce que vous voulez voir, c'est quand même comment ça se passe les courses. Et là, vous allez être assez étonné. Parce que c'est très très basique. Et c'est là où pour moi, il y a... Malheureusement, ça gâche un peu tout le plaisir. Parce qu'au début, il est bien. Mais plus on avance dans le jeu, plus c'est... C'est pas mal, mais sans plus, quoi. Alors là, il fera beau, mais un peu nuageux. Donc c'est parti. On va attaquer la séance de qualification. Donc voilà nos deux pilotes. Donc bon, bah, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on règle la voiture du premier, on peut choisir de le faire partir ou pas. On peut choisir de régler deux voitures et faire partir les deux en même temps. Enfin voilà, c'est juste une histoire de que les réglages se font en stand évidemment. Donc quand les voitures sont en piste, on peut rien faire. Oui, je sais. Je sais, je sais, je sais. Allez, on avance, on avance, on avance. Donc on va s'occuper du premier pilote, on va faire les premiers réglages. Donc on est en qualification, donc ça sert à rien de lui mettre beaucoup d'essence. Donc les pneus, on va mettre des pneus tendres, évidemment, hein, pour la qualification. On va passer donc l'essence. On pourra voir le nombre de tours que ça donne en fait en haut, hein, 10, 11, 12. Donc il y a 10 tours et 12 tours. Je vais tenter de lui faire faire un tour avec 6 tours d'essence. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est pour le faire partir. Ensuite, on a les réglages. Donc les réglages d'aileron. Donc par exemple, on va mettre. Alors on est à Melbourne, donc on va mettre l'aileron à 6. On va mettre l'aileron arrière à 6 aussi. Donc ça c'est le train avant. Alors par contre, plus mou, plus dur. Bon, on va mettre. Non, on va laisser comme ça. Voilà, c'est parfait. Et donc les rapports de boîte. On va mettre lui à 3. Voilà. On va mettre le premier pilote à 3. Et on va le faire sortir. Donc on peut choisir de passer à l'autre ou faire sortir les deux. On va le faire sortir. Voilà. Ensuite, on va passer à Verstappen, puisque notre premier pilote est parti. Donc lui, on va faire pareil. Donc les pneus... Quoique non, on va garder les bandes C, en fait. L'essence, lui, va en faire toujours 6 ou 7. Voilà. On passe au réglage. Donc les ailerons, 6. Ailerons, 6. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était... La boîte, donc j'ai mis à 3, on va la laisser à 5. On va faire exit. Donc voilà, je suis désolé, il n'y a pas trop de musique dans l'ambiance, c'est un petit peu dommage. Du coup, ça paraît vachement plat comme vidéo, mais maintenant je peux pas faire autrement. Donc, on va faire partir les deux voitures, c'est parti. Et donc là, on va arriver donc dans le sur le circuit, et là, vous allez être surpris de la qualité visuelle du circuit. Bon, évidemment, le jeu est vieux, donc il faudra pas. Il y a un petit effort de fait, mais voilà. Donc c'est parti, on voit nos deux voitures partir sur la grille, sur la piste, donc les voitures qui se suivent. Alors vous allez voir que les plans, il n'y en a pas beaucoup. Les plans visuels, il y en a, on va dire, 4, 3-4 par course. Donc on peut voir les voitures partir. On a une possibilité, les seules possibilités qu'on a, c'est de faire select et donc de changer les pilotes. Donc là, les deux pilotes sont au même endroit, donc on va pas de différence. On peut donc afficher le circuit ou le classement des qualifications. Donc pour le moment, on n'a pas tourné. Enfin, si on vient de tourner, en fait, j'ai une bêtise. Donc, on a le 14e temps et le 16e temps, ce qui est pas mal pour un début. Donc là, on va les faire tourner. Pour l'instant, il y a donc 24 pilotes engagés. Pour l'instant, ça sent pas mal, c'est bien. On va voir si on améliore. Et on a une touche qui permet d'accélérer, donc c'est toutes les touches L et R. Voilà, donc dès qu'il finit un tour, on peut voir son temps. Et si je veux, je peux accélérer le débit. Hop là, je vais beaucoup plus vite.
Oui, et ça permet d'avancer un peu dans la course. Donc au niveau des temps, ben, on est pas mal. J'ai l'impression que Panis y arrive un peu mieux. Par contre, les temps sont pas foncièrement bien différents. Panis c'est meilleur que Verstappen, donc je pense sûr que ce soit les réglages. On a la touche carré qui nous permet de voir donc l'état des parties de la voiture. Donc là, ils sont tous en good. En rouge, c'est l'usure des pneus. Et en vert, c'est l'essence qui nous reste. Et en bleu, je crois que c'est le pilote. Voilà, le mental du pilote. Donc pour l'instant, tout est bon. L'essence, c'est ce que j'ai prévu. Et donc voilà, ça se passe comme ça tout simplement. Donc là, on essaie de voir s'ils vont améliorer. Donc là, les pneus sont bien. Donc on va essayer de voir en faisant un tour supplémentaire. Oula, c'est le lap 6. Ce qui meurt de l'essence. Non, donc on va les faire entrer au stand. Et on va attendre qu'il rentre au stand. Le problème, c'est que pendant qu'il rentre au stand, je peux pas faire entrer le deuxième pilote. Donc le deuxième pilote va sûrement être à court d'essence. Ce qui pose un gros problème. Parce qu'il va peut-être pas pouvoir finir le tour. Et voilà. Donc Pani s'arrête. Il a plus d'essence. Donc c'est l'abandon. Bon, alors en qualif, donc c'est pas trop grave. Et les somnambules, vous entendez, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est le deuxième défaut du jeu. Vous voyez, c'est quand même assez sommaire, hein, pas beaucoup de réglages. On pourrait imaginer un peu, comme dans un jeu, plusieurs réglages. Verstappen a pu regagner les stands, donc ça c'est pas mal. On va s'occuper de Verstappen. Donc avec une voiture au stand, logiquement. Voilà. Puisque la deuxième, je peux plus en faire grand-chose. Elle est dehors, elle est en piste. Donc les pneus, on pourrait les changer. On n'a pas de nombre de trains de pneus limité. Donc on va garder ça. On va lui donner le C, hein, tant pis. On va lui mettre des pneus donc à fond. Et par contre, j'étais à 1%. J'étais à 1% d'essence. Donc il reste que 5 tours à faire. Bon, il va mettre 5 tours d'essence. On va y aller au bout, jusqu'au boutisme. Voilà, donc il va partir. Et une fois qu'il est parti, on va voir s'il a fait un bon temps. Donc là, ça charge. Le temps de chargement ne sont pas très longs, heureusement d'ailleurs, parce que les phases de chargement, il y en a beaucoup. Donc c'est parti, on espère qu'il va améliorer son temps. Pour le moment, sur la grille, donc, on est 14e et 15e, j'espère que Verstappen va améliorer. On va accélérer un peu. Et non, il n'a pas amélioré. 36-67? Non. On va voir s'il améliore dans ce deuxième tour. 36-87. Bon, je pense que le réglage de Verstappen n'est pas bon. Ou alors. Non. De toute façon, il va abandonner sur le bas-côté. Donc, logiquement. 36-53. Non, il tourne vraiment trop lentement. Il n'améliorera pas. Donc les qualifications sont terminées, j'ai accéléré, vous voyez le mouvement. Ce qu'on va faire très souvent pendant la course, parce que vous allez voir que c'est très très long. C'est vraiment très long, on est déjà à une demi-heure. Hein. Même pas commencé la première course. De toute façon, vu le nombre de plans fixes, je pense que la vidéo sera pas très lourde, donc on peut rester un peu plus longtemps, il n'y a pas de problème. Donc on a le résultat des qualifications, mais malheureusement, on est 14e et 15e, mais c'est pas mal. C'est pas mal, pour un début, on est une nouvelle équipe, pas de problème. On termine les derniers. donc il fait encore beau, donc je pense qu'on va conserver les mêmes réglages. Par contre, on va se charger de la stratégie qui est différente. Donc stratégie to Ogashi Mashor. Évidemment, Jacques Villeneuve est toujours pas visible, hein. Vous avez remarqué, regardez, c'est le seul. Quoique non, on reconnaît en fait Jacques Villeneuve. Il me semblait qu'il avait interdit les droits sur les jeux à cette époque. Et finalement, on le voit. Donc voilà, on va partir ici. 14e et 15e, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour un début. Donc on va réparer la stratégie de course des deux pilotes. Donc ce que je vais faire assez souvent, c'est que j'ai profité du pilote le plus rapide pour faire deux arrêts et du pilote le plus lent pour en faire qu'un. Je dis pas ça ce qui va marcher, mais bon. Donc là il m'explique un peu tout, blablabla. Alors ce qui est, voilà, donc c'est pas mal pour ce type de jeu, un jeu qui normalement n'a pas fait avec beaucoup de moyens, c'est qu'il y a quand même les licences, même s'il y a quelques sponsors qui sont pas réels, les licences y sont et ça c'est vraiment cool, et ça donne un côté un peu plus immersif. Donc
Qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? Oui, l'essence. Alors, on va régler l'essence. 23, 24, 22. Il y a 58 tours. Donc, on va faire 3 fois 15. 15, 45. Donc, on va mettre 20 tours. 20, ouais, 20 tours, 20 tours d'essence. Pour arriver donc à 60. C'est parti. Les réglages, non, ça c'est bon. Par contre, il fait. Bon, mais non, c'est bon. On va conserver ces réglages. Voilà. Ah, par contre, je vais pas lui mettre les pneus C. On va pas lui mettre les pneus C parce que les pneus C, ils ont une grande. Ah, trop tard, j'ai validé les réglages, il est parti. Je suis deg. Donc, lui, on va garder les pneus C par contre, effectivement. Et on va. Ah, mais si c'est bon, il y a les bons pneus. Bon, bah, les pneus D alors. Voilà. On va mettre les pneus D, donc ils tiennent beaucoup plus longtemps. Et on va mettre beaucoup d'essence pour qu'il fasse un arrêt. Donc il nous faut qu'il en fasse au minimum ouais, 30. On va mettre de la sécurité. Hop, 29. 29 et 29, ça fait donc 58. On verra peut-être sur la fin, mais on va voir déjà ce que ça donne. Allez. Donc on est parti. Les deux voitures vont se mettre sur la grille et donc on va partir. Hop, on va faire le premier départ de la première course de la saison 96. Et on est arrivé Strato! Alors là, ça lag un peu. On va remarquer. Il y a les vraies voitures, on pouvait voir que si on reconnaît un peu les équipes avec les livrets. Donc là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, c'est parti. Ça se touche un petit peu. On avait un mauvais départ de Verstappen qui est 16e. Donc là, pour la... Donc on peut voir le circuit, je vous l'avais dit. On peut ne pas l'afficher aussi. Moi, j'ai même pas l'afficher parce qu'en fait, ça gâche un peu le plaisir. Et là, je suis en train de me battre apparemment avec une Jordan. Ah, je suis dans la Jordan carrément. Bon, il n'y a pas de collision, hein, vous aurez remarqué. Donc Panis est 15e, Verstappen 18e, mais Verstappen est en stratégie. En stratégie un peu plus comment dire un peu plus long, enfin ça l'aurait prévu. Je vais juste baisser un peu le son par contre du jeu parce que là c'est un peu scandaleux, vous allez en avoir vite marre. Donc voilà, donc là on est 19e Verstappen et Panis 15e. Donc on va accélérer le jeu, vous allez voir donc ce menu là. On va donc augmenter la vitesse du jeu à fond pour pouvoir passer les tours, parce que si on va finir la course avant que le vidéo soit fini, c'est pas gagné. Donc voilà, on voit le temps autour. Pour le moment, les meilleurs temps. Alors, on est pour l'instant donc 15e et 19e. On va voir les temps autour des pilotes. Donc on voit que Panis tourne en 1.37 alors que Verstappen est en 1.38, donc une seconde d'écart, ce qui est logique. Donc pour le moment, par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est que les pneus. Bah, les pneus durent moins longtemps. Alors que Verstappen, il aurait censé faire un arrêt beaucoup plus long. Ça m'inquiète un peu, par contre, ça. Ça m'inquiète beaucoup. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on fait après. Donc, là, on va accélérer un peu. Logiquement, il est censé s'arrêter vers le 20e tour. Donc, pour le moment, on est tranquille. Ouais, on va pas la course. On pourrait regarder, hein, savoir s'il va le dépasser ou pas. Mais finalement, il perd des places, 17e. Je pense que je vais mettre les pneus de Verstappen à Panis. Ou au moins les pneus A pour aller plus vite dans sa stratégie tout à l'heure pour Panis. Donc pour le moment tout se passe bien, même si on perd des places. On a de toute façon plus d'essence que les autres pilotes, hein, qui font souvent parfois 3 arrêts, même 2. Donc pour l'instant on est 17 et 19e. Ah voilà, donc oui, comme je vous disais, le problème du jeu c'est ça, c'est que bah on fait rien en fait, hein. On attend que ça se passe, on gère juste un peu la stratégie en temps réel, mais c'est tout. Voilà, le jeu qui est bien parti au début s'est arrêté très vite et manque, je pense, beaucoup d'ambition parce que c'est. Le jeu absolu il est pas mal, hein. Enfin il est correct quoi, il y a quand même pas mal de bonnes idées. Mais bon, il manque quelque chose quoi. Les circuits sont assez moyens, les visuels sont très mauvais. Bon, c'est animé, c'est déjà pas mal. Mais bon, si vous reconnaissez le premier coup de l'Australie, vous me le dites, hein. Honnêtement, moi je reconnais pas grand chose. À part peut-être la ligne droite de départ, et encore.
Donc, bon, on verra, on va voir la suite. Donc là, je suis 16e, 18e, je vais au niveau de l'essence. On est au 14e tour. J'avais dit que je m'arrêtais au 16e ou 17e, je sais même plus. J'ai mis 19, 20 tours, 19 tours, j'avais mis au premier. Ouais, pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Donc, Verstappen 18e, Panis 16e. Alors, ce qui est amusant, c'est que les pilotes sont marqués à l'européenne sur le côté en haut à gauche. Mais une fois qu'on choisit les pilotes ici, donc on les a aussi à l'européenne. Par contre, dans les autres menus, on les a en japonais, donc bon, c'est un peu bizarre. Dans le 17e tour, logiquement, il faut que ça qui s'arrête au. Et il va falloir qu'il s'arrête bientôt. J'ai presque envie de le faire arrêter au prochain tour. Panis, ouais, il va s'arrêter au prochain tour. Voilà, donc ici on va lui demander de s'arrêter. On va se mettre là et on va dire vas-y, rentre au stand. Donc quand il va rentrer au stand, je ne pouvais pas prendre le contrôle de l'autre pilote. Vous voyez là, je peux rien changer. Je vais juste le faire accélérer ou afficher le classement. Et on voit qu'il y a déjà eu des abandons puisque Katayama il l'a mis, il a abandonné. Donc pour le moment, eh ben, on va attendre qu'il s'arrête. Donc là, il va bientôt arriver dans une des stands, voilà. Et on va revenir donc au menu des pits pour voir s'il a vraiment il a resté 3% d'essence. Donc j'ai bien fait de m'arrêter dans ce tour-là. Alors donc on va refaire donc les pneus. Alors les pneus, j'ai dit que je mettais la condition B qui sert dure moins longtemps, mais bon. En essence. On a 19 tours, il faut qu'il en fasse encore 30, 49, 40 tours il va faire. Donc on va lui donner encore 20 tours d'essence. Voilà, 20 tours d'essence, donc ça c'est bon. J'espère que les pneus vont tenir à 20 tours, mais bon. Pourquoi j'ai mis les pneus en type B? Ah non, mais c'est qu'il n'y a pas de type. Ah non, mais ouais, d'accord. Ok. Oui, on a dit c'est bon. Donc ça c'est parti, 54 d'essence. Tu peux repartir. Donc elle s'arrête au stand, on va voir le temps qu'il met. Donc logiquement ça va taper dans les 14 secondes. Sauf si j'ai du bol. Donc là on va y aller. 5, 6, 7. C'est trop long, il perd du temps, il perd des places. 12e, 13e, 13 secondes. Ah, c'est mon meilleur arrêt depuis le début du jeu. 14 secondes. Bon, ça s'améliorera de toute façon. Le fil des Grands Prix, logiquement. Puis j'ai pas mis beaucoup d'essence, donc évidemment. Donc on est avec des pilotes qui sont au stand. Verstappen qui s'est pas arrêté est 12e. Et on va voir son statut. Alors il n'y a pas des pneus en forme. Par contre, toutes les voitures sont en good, donc ça c'est bon. Donc on est en lap 20, donc c'est pas mal. Logique. Aïe aïe aïe, il s'est passé quelque chose. Il aurait un souci quelque part. Je sais pas ce qu'il m'a dit là. J'ai appuyé trop vite. Apparemment, il y a eu un problème. On est dans le lap 21. J'espère qu'il va tenir les pneus. 22. Alors que Panis est 16e. On va voir le temps autour. Ouais, pour l'instant, Panis tourne en 1,38 alors que Verstappen est en 1,37, mais il a beaucoup plus d'essence. On va voir ça. Aïe aïe aïe, il y a un problème encore. Je pense qu'il va falloir qu'il s'arrête au stand au prochain tour. On va pas attendre, hein. Je pense que 24 fois, ouais, c'est bon. On va lui demander de s'arrêter. Parce que là, j'ai bien peur que les pneus ne tiennent pas jusqu'au bout. Bon, on est vraiment à la limite. Ouais, il va s'arrêter dans le 25e tour. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc lui, il est 16%. Ah, les pneus étaient à 3%. Donc il fallait faire gaffe. On va lui changer donc les pneus, on va lui mettre des C. En essence, on va le placer donc. On avait dit combien? 24 tours, il reste. Ah mais il me reste vachement de tours, je pourrais pas faire un arrêt là. 37 tours, je peux. 30 tours, je fais 58. 30 tours, je fais 58.
Non, 30 tours, je fais 54. 55, 56, 57, 58, 59. On va mettre 60, on va prendre des gants, mais au moins on sera tranquille. Et on va lui dire de repasser. Donc l'ouvrage au stand devrait être plus long normalement. J'imagine, puis là tu vas autour de lui. Bon, allez, mec, vous bougez ou pas? 14 secondes, 40, c'est pas beaucoup plus long hein, finalement, malgré qu'on ait mis beaucoup plus d'essence. Donc là, on va repartir. Voilà, on va voir le classement un peu. Et Verstappen, donc il perd des places parce qu'il sort des stands. 17ème pour le moment, hein. C'est pas super bonne place. 18ème même. Donc là, on est parti pour aller jusqu'au bout au niveau de Verstappen. Et par contre, Panis va s'arrêter à nouveau. On va voir Panis qui est 16ème. Il est en retour. Il est en ligne 39 quand même. Waouh! Donc Verstappen pourra faire normalement que remonter. Puisqu'il va pas s'arrêter. Alors que Panis pour l'instant est bloqué 16ème, ce qui est pas énorme. Et au niveau du classement en plus, il reste combien de voitures en piste? Toujours 22, ce qui est assez étonnant. En même temps, il pleut pas, donc bon, les pilotes font moins d'erreurs. Attends, autour 37, 38 toujours. Alors là, je suis en train de me faire dépasser, j'ai l'impression par une. Par une je ne sais pas quoi. C'est difficile de voir les pilotes. Je crois que c'est une Benetton. Enfin, je sais pas, j'ai cru. Ah non, c'est une Gauloise, c'est une Ligier. Et c'est une Ligier! Il y en a 17ème, on perd encore des places. Les temps commencent à se resserrer un petit peu. Ce qui m'étonne, c'est que les pneus n'ont pas beaucoup souffert et malheureusement, l'essence. Il en reste pas beaucoup. Chance, c'est une mauvaise course, hein. Par contre, au niveau des résultats. Oui, je suis obligé d'appuyer à fond à chaque fois hein, parce que sinon, sinon la course est vraiment trop ennuyeuse et c'est ça qui est dommage. Hein. Honnêtement, le jeu est gâché à cause de ça. On va le faire s'arrêter. Vas-y, arrête-toi parce que là tu vas tomber en panne. Hein. Il reste pas beaucoup de pourcents. Ouh, comme c'était juste. C'est bon, il va arriver au stand, mais de justesse, je crois qu'il doit être à 1% ou 2. Il est à combien? 2. 2%. Donc. Tu sais que les pneus c'est pas beaucoup donc bon, on va regarder les baies. On va les passer à 100%. Et par contre au niveau des pneus, bah alors là, par contre on a plus que. On va être à 48 donc 18 tours à faire. J'ai pas compté moi, c'est ouf. 48 à la 50. 40 à la 58. Ça fait 18, donc 19 tours à faire. Mais il y a quelque chose qui me chagrine là. C'est les pneus. Je crois que les pneus je les ai pas compris. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous la même durée de vie alors qu'au final non. Bon ouais, je vais tenter un coup, je vais mettre. Et non les dés ça a duré longtemps. Bon, on va tenter l'essai hein, mais c'est vraiment. Parce que je comprends pas là, par contre ce que sont les pneus. C'est un peu dommage. Allez, c'est parti. Donc notre pilote repart, va taper normalement, il n'y a rien à faire. Et là, on va aller jusqu'au bout de la course. L'arrêt au stand, qui doit se situer à 14 secondes normalement. Quatorze quarante.
sont pas pressés. Hein. Donc là, on va faire les derniers tours de course. Vous savez à quel point une course est long quand même. Hein. donc on va partir combien? Pas Nice, 16-17, alors que Verstappen est 16ème et ça s'arrêtera plus. A voir si d'autres pilotes vont s'arrêter, je crois pas. On va mettre la vue là, si les pilotes qui s'arrêtent pour le moment, non. Ouais, les pilotes qui tournent, aucun ne s'arrête. Hein. Donc, je pense qu'en fait, la stratégie, tout le monde avait la même. Au niveau des pneus des pilotes, ça va. Par contre, j'ai peur que Verstappen ne finisse pas la course. Parce qu'il reste 14 tours et son état est pas très bon. On va faire aller Verstappen au bout. Alors, le temps autour, 37-43, 37-85, ça a mûri pour Verstappen, par contre, pour Panis, c'est toujours dans le même ordre en fait, donc pour l'instant ça va. Par contre, c'est un très mauvais résultat. Hein. 16ème et 18ème, surtout quand on est parti 14ème et 15ème, ça veut dire qu'on s'est fait doubler en stratégie, on s'est fait doubler en course. Bah, c'est assez. C'est mauvais. Ah bah d'ailleurs les deux voitures sont au même niveau maintenant. Ah bah je tape une 15ème, 16ème, c'est à dire qu'il y a dû y avoir des abandons. On va avoir la place. Voilà, c'est trop tôt derrière nous, donc on n'est pas le plus mauvais. 50ème tour, 51, 52, 53, 53. On a quand même 3 tours d'écart. Hein. Oh la vache, 3 tours de retard. On est dans lap 51. On va voir si on augmente. Donc là on est bon, toujours. 15ème, 16ème. Ça devrait tenir normalement. On a un problème avec le... c'était quoi déjà? Je crois que c'est la transmission. Transmission ou les suspensions? Je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et Schumacher a remporté... le Grand Prix est fini. Et Schumacher donc a remporté la victoire avec la Ferrari. On est en 96, donc je pense que c'est probable, mais c'est pas très logique en général, c'est plutôt les Williams. Et donc on termine 15ème et 16ème. Ce qui, on va dire, assez mauvais, hein, compte tenu de l'espérance qu'on avait au début. Je pensais vraiment pouvoir aller dans le 10 premiers, au moins 10ème. Et finalement on termine 14ème et 15ème. Et donc Schumacher a remporté victoire devant Alesi et Damon Hill. Alesi était le second, évidemment. Donc on va gagner des sous, logiquement. Il me semble qu'on gagne des sous. Hein. 0 points, 0 points. Oui, c'est normal. Donc on a le classement. On a un classement au championnat. Dans Kamishitsu, on est 4, on est 5ème ex aequo que tout le monde. Hein, avec 0 points. Et donc on a gagné... On a rien gagné en fait. Je crois qu'on a gagné 2 Gilles. Donc du coup on va pas pouvoir de développement, on va pouvoir juste améliorer au stand. Donc c'est parti, on va améliorer nos stands, enfin nos arrêts au stand. Tant pis hein, on va se débrouiller avec ça. Allez, faites moi un bon arrêt les gars. J'ai un temps en dessous des 14 secondes hein, par contre. Ah non, 14-22 c'est nul. Bon, bah c'est assez mauvais. Donc bah voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ça fait déjà assez long, je vous montre toute la partie information que je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un jeu qui, on va dire, qui est plaisant, hein, malgré le fait qu'ils sont en japonais, même si bon au final ça change pas grand chose. Bon par contre, s'il est très limité, c'est vraiment dommage et vraiment beaucoup mieux à faire. Ça restait simple, voilà, c'était simple, abordable on va dire,
Mais bon, ils sont pas allés au bout des choses, c'est vraiment dommage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu longue, hein, je vous l'accorde, très monotone dans le jeu. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis quand même à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!